Frères et sœurs, amis de partout, bonjour et bon sabbat. En ce beau jour de sabbat, nous éprouvons une grande joie d'être en vie avec de bonnes dispositions de louange et d'adoration à notre Dieu créateur. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il a tissé de sa main cette merveille dont vous et moi représentons sur cette planète. David l'a si bien dit au psaume 139, verset 14. Je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ce matin, ce père aimant s'est mis à la recherche de ses enfants rebelles et égarés. Il nous offre sa main tendre et secourable. Venons vers lui pour bénéficier du nouvel Éden qu'il est en train de nous préparer, où nous serons en sa compagnie pour toujours. L'école du sabbat de Maranatha est contente de vous accueillir ce matin et vous souhaite une bienvenue spéciale au programme du jour. Les strophes du numéro 17 des hymnes et louanges débuteront le programme du jour. Chantons ce chant sous la direction de la sœur Faraja. Après le chant, l'ancien docteur Montpoint priera pour nous, priera Dieu en notre faveur. Bienvenue. Il a parlé, ce Dieu que je révère, et des soleils, l'éclatante lumière. Oui, soudain, un son appel, mon Dieu est devant toi. Ton nom, ton règne est éternel. Lorsqu'en la nuit, je contemple l'armée, que dans les cieux, ta parole a formé. Mon cœur te dit, saint et grand roi, que suis-je devant toi, que suis-je devant toi, que tu te souviennes de moi. Comme à l'enfant son père, tu m'as cherché dans ma sombre misère, et ton amour m'a racheté. Dieu soit exalté, mon Dieu soit exalté. Mon cœur béni est ta charité. Amen, amen. Éternel Dieu, trois fois saint, nous te remercions. Nous bénissons ton nom. Nous t'exaltons ce matin. Nous voulons dire merci parce que au bas nous la vie encore une fois. Nous voulons dire merci parce que vous guidez pas nous vers ta maison. Même si nous tous nous chita derrière la télévision, non, mais nous connaissons nous réunis dans la maison de l'Éternel. Éternel Papa, nous remettons au service ça qui parle fait. Nous remettons le son que nous parlons reviser ensemble. Permettre que cet esprit soit capable de toucher que nous, capable de parler à que nous. Et
que cet esprit soit capable d'expliquer nous les vérités qui cachaient à l'intérieur de ta parole. Bénis-nous, bénis chacun de nous, protège-nous, reste avec nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je dis à ce premier sabbat du mois d'avril, sabbat d'évangélisation, nous trouver les conseils de la part du pasteur Gustavo qui bail conseil ça au titre une agence gagneuse d'âme. C'est lui t'a parlé à propos de l'école du sabbat. Verset de base. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Demandez-nous, en tant qu'Église, nous avons un défi devant nous pour nous préparer au peuple pour le retour prochain de Jésus-Christ. Pour nous proclamer le message des trois anges, pour nous capables de kembe nouveau membre qui rentre l'église et à chercher l'autre qui était là, qui est éloigné, loin du Seigneur. Il dit, problème qui gagne, comment on a privé pour nous faire travail ça? En réponse simple que lui ban nous, c'est à travers l'école du sabbat qui ban nous en occasion pour que nous capables étudier la Bible chaque jour. Et en étudiant la Bible chaque jour, nous connaissons bon Dieu mieux. Et comme ça, nous sommes capables d'aller prêcher, aller chercher les autres, prêcher l'évangile. Jésus-Christ a déclaré, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Donc, il faut que l'évangile soit capable de prêcher pour que la fin, que nous tous nous aspirons à lui maintenant, soit capable de venir. Jésus est formé à Potio. Et après, il était envoyé au partout pour aller prêcher l'évangile de ça. Nous vivons des moments de crise. Mais Bible, bon Dieu, fait des préparations pour nous, pour moment ça spécialement. Nous avons besoin pour nous lire la Bible chaque jour pour que nous puissions comprendre la signification que Bible, que bon Dieu, bah, à tout événement ça qui a passé, qu'on y a. Côté nous capables de voir que moment de crise ça, comment porter l'isolement, l'anxiété, le chômage, la peur, la mort, non, bon côté, toutes nous affecter d'une façon ou d'une autre. Le dit non, en temps de crise, ça que nous trouvons qui paradoxe, que c'est plus facile pour que nous puissions témoigner pour bon Dieu. Surtout dans le dernier temps, nous avons à disposition la technologie. Côté nous, il y a la nous capables de voir un message de salut avec connaissance, nos parents, nos amis, nous, à travers les textes, les emails, les messages sur les réseaux sociaux. Nous capables de voir un texte biblique dans le monde pour que nous capables de réconforter. Nous capables de prier pour l'autre monde, nos amis, nos proches, nos collègues, et puis prier pour eux et prier avec eux. C'est un exercice qui procure de la joie. Aussi, pour des moyens pratiques, nous sommes capables d'aller faire maquette pour nous. Nous sommes capables d'aider à faire lessive, d'aller dans l'enduit, pour un rendez-vous avec eux pour eux, le docteur. Tout ça, ce sont des moyens pour que nous sommes capables de prêcher cet évangile en temps de faire ça, afin que je sois capable de tourner. Et aussi, comme ça, nous faisons tout bagage ça. Nous devenions des gagneurs d'âme pour le Seigneur. L'Église y a grandi spirituellement et physiquement en produisant réellement des fruits pour la vie éternelle que bon Dieu a préparé pour nous et que bientôt il est capable de faire apparition pour que nous puissions jouer avec lui et avec tous les autres que nous avons prêché, témoigné auprès de nous-mêmes cet évangile de paix et d'amour. Que bon Dieu est capable de bénir nous tous. Je dis à l'école du sabbat, nous avons un privilège pour nous avoir avec nous, ancien docteur Mon.Jeune, qui pourra aller reviser la première leçon du trimestre, qui prenait pour titre que c'est-il arrivé. Prêtez toute attention à docteur Mon.Point dans la révision leçon.
Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à l'école du sabbat et je vous dis, nous comptons pour nous avec nous, pour nous capables de réviser ensemble la leçon de la semaine. Nous faites commencer au nouveau questionnaire et là, le titre, c'est la promesse, l'alliance éternelle de Dieu. La promesse, l'alliance éternelle de Dieu. Donc, avant de commencer, nous pouvons aller entrer en courte prière. Éternel Dieu, trois fois saint, nous remercions de ce que tu es avec nous pendant ce maintenant. Nous remercions de ce que tu as une opportunité pour nous réunir encore au matin. Et permettre que l'Éternel, que quel que soit ça, nous pas de fin comprendre pendant ce maintenant, que nous capables comprendre au matin, que cet esprit capable d'expliquer nous et que nous-mêmes, nous capables d'apprendre encore plus. Gardez-nous, Père, nous remercions que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. La promesse, l'alliance éternelle de Dieu. Donc, sujet que, il a parlé de l'alliance, il a parlé de promesse, c'est un sujet qui est extrêmement important. Important parce qu'il y a un peu de monde qui peut arriver, fin comprendre, fin saisir l'importance et comprendre. Qui ça veut dire l'alliance éternelle que bon Dieu fait entre lui-même avec son peuple. Lorsqu'on parle de alliance, ça veut dire alliance. Une alliance, c'est qui ça? Une alliance, c'est un pacte. Une alliance, c'est un accord qui vient entre deux mondes, entre deux parties. Une alliance, c'est un contrat que deux mondes signent. Ou bien, il y a des mondes qui même parlent de alliance, que son testament qui existait entre eux. Deux parties, et deux parties qui sont intéressées là, la solution 1, c'est l'alliance entre bon Dieu avec peuple. C'est un contrat que bon Dieu fait avec peuple. Donc, pendant et trimestre, là, nous allons étudier différents types d'alliances que bon Dieu t'a fait. Et nous parlerons que nous allons parler de alliance adamique, nous allons parler de alliance noachique, alliance abrahamique, alliance mosaïque, davidique. C'est une série de alliances que mon Dieu fait lorsqu'il était fait en alliance initialement et le peuple d'Israël était venu et puis que il pas de respecter l'alliance là. Mon Dieu venu lui renouveler l'alliance là. Et adamique, c'est une alliance que l'était fait avec Adam. Ouais, la parlé de alliance davidique, c'est une alliance que mon Dieu était fait avec le peuple de Dieu à travers David, qui était le roi à l'époque. Donc, alliance là, est important pour nous comprendre, pour nous capables de comprendre l'alliance que bon Dieu fait là avec nous. Donc, est important pour que nous capables de regarder tout type d'alliance ça y est. Il est important tout pour que nous capables connaître une série de bagages. Connaître qui ça? D'abord, pour nous connaître qui ça qui t'est passé. L'Éternel est venu, il t'a fait alliance. Pour qui ça que bon Dieu venu, il fait alliance avec le peuple. Donc, lorsque on dit que alliance c'est un contrat, pour qui ça, bon Dieu, t'es venu, t'es gagné un contrat ça entre lui-même avec le peuple. Qui partie qui est intéressée? Est-ce que c'est bon Dieu seulement? Est-ce que c'est nous-mêmes seulement? Est-ce que c'est bon Dieu nous-mêmes? Ou bien est-ce que l'autre partie qui est intéressée dans le contrat ça? Donc, et qui est-ce qui bénéficiaire de contrat? Est-ce que contrat les venir c'est bon Dieu seulement qui bénéficie lui ou bien est-ce que contrat les venir nous bénéficie nous-mêmes? C'est des bagages que nous pas louer lorsque on a étudié pendant le trimestre là. Donc qui durait contrat? Nous déjà ouais dans le titre là on parlait de alliance éternelle. Puisque on parlait de alliance éternelle, mais en même temps nous dit que il y a plusieurs alliances qui faites. Donc comment nous capables de comprendre ça que il y a parlé de alliance éternelle tandis que nous avons plusieurs alliances qu'a fait. Tout ça c'est des bagages que nous allons venir nous allons étudier ensemble pendant ce trimestre à travers livre ça que nous faites commencer qui a pour titre la promesse l'alliance éternelle de Dieu. Donc titre pour leçon et semaine ça il dit que s'est-il passé? Donc, à comprendre que vous commencez avec une leçon comme ça, que titre là, c'est que s'est-il passé? Qui s'est passé? Ça que t'es gagné? Qui fait que gagné en alliance que vous venez à parler de alliance que bon Dieu fait entre lui-même avec peuple et
jusqu'à ce que Dieu dit que divine établit une alliance éternelle entre lui-même avec peuplé. Le verset à mémoriser pour cette semaine, nous joignons dans Genèse 1, versets 26 et 27, il dit, puis Dieu fit l'homme à notre image, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ça, c'est ça, nous joignons dans verset. Dans chapitre 1 de Genèse, versets 26 et 27. Retournez à l'origine, ça qui est passé au départ des capitales pour que nous soyons capables de comprendre, nous te dire, alliance ça que bon Dieu vient établir entre lui-même avec les hommes. Mais tout les permettre que nous sommes capables de comprendre, d'autres choses les permettent que nous sommes capables de comprendre qui partie qui est intéressée dans l'alliance là. Qui est-ce qui bénéficie de l'alliance là? Donc, histoire, ça que nous jouons dans Genèse 1, qui relatait la création de l'homme, et c'est une histoire, côté le appelé, nous venons, et puis qu'on a là, les bannons, en puis l'espérance, les faire qu'on content, et puis son histoire a montré que la perfection dans la création que bon Dieu a fait, côté chaque jour que bon Dieu crée en bagaille, et puis il dit que. Dieu vit que tout cela était bon. Donc, à chaque fois que bon Dieu finit de créer, bon Dieu repassait, créer, saleté créé pendant un jour-là, et puis il gardait, il revisait, et puis il dit, tout cela est bon. Maintenant, si qu'on y a bon Dieu créé tout ça qui existait, et puis il dit que il vit que tout cela est bon, comment se fait que qu'on y a là, la joine tremblement de terre, la joine famine, la joine maladie, nous joignons et on a et l'autre, nous joignons une série de bagailles que nous-mêmes, on a regardé, nous déjà, ouais, que ça n'est pas bon. Donc, ça veut dire, il y a un bagaille qui est arrivé qui fait que, à partir de perfection, ça, lorsque bon Dieu t'a fait créer et l'humanité, t'a créé le monde, qui on paraît qui arrivait qui fait que nous passons de perfection à ça que nous y est aujourd'hui. Donc, que s'est-il passé? Qui s'est arrivé? Mon Dieu, dans Genèse 1, il dit que Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Lorsqu'il a parlé de, il dit que mon Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, qui ça voulait dire par là? Ça veut dire à son image et à sa ressemblance. Est-ce que ça veut dire que bon Dieu fait on est, fait nous gagner on est, même j'en ai même qu'on est? Est-ce que ça veut dire que bon Dieu fait cheveux nous, même j'en ai même cheveux liés? Ou bien est-ce que il fait que et nous gagnons forme figure, même j'en que lui-même forme figure pas liée? Donc, lorsque nous, à la lumière de la Bible, nous regardons, nous voyons que certes, à son image et à sa ressemblance, ce qui veut dire que nous venons physiquement nous sembler avec mon Dieu. Mais lorsque l'on réfléchit, nous rendons compte que lorsque, par exemple, un humain vient, il fait un petit monde, et que le petit monde, ça, il vient sembler à papa, par exemple. Donc, qu'est-ce qui passait? C'est que il y a des caractéristiques qui n'ont pas papa, ou bien qu'il y a une maman, qui vient et que transmettre bail de papa ou bien de maman à Timon. Et caractéristique, ça, nous voyons que tout est regroupé dans un bagage que nous-mêmes nous relais ADN. Donc, ça permet de nous comprendre tout lorsque mon Dieu dit que il créait l'homme à son image et à sa ressemblance, et que mon Dieu pas parler seulement de ressemblance physique, mais mon Dieu a parlé de toutes caractéristiques qu'il en lui-même, que lui-même, lorsque il crée nous avec toutes caractéristiques ça. Donc, avait dit, bon Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui est droit, un Dieu est vrai, qui tout ça le fait refléter la vérité, la justice, la fidélité. Donc, ça veut dire, le bon Dieu fait nous avec même caractéristiques ça. Côté nous,
Nous avons bonté en nous, nous avons amour en nous, nous avons droiture en nous, nous avons vérité, nous avons justice en nous, même Jean-Bon Dieu, tout devient caractéristique ça. Donc, ça veut dire que, même Jean-Bon Dieu dit tout à l'heure, si nous voyons qu'il y a là, qu'il y a un menteur, qu'il y a un meurtrier, qu'il y a un voleur, qu'il y a des escrocs, qu'il y a un adultère, ça veut dire qu'il y a un barrière qui passait, qui fait que nous passons à on être que bon Dieu créé, qui était parfait, à ça que nous avons qu'on que nous est que qui masqué, qui totalement éloigné de la perfection, genre que la Bible dit nous que bon Dieu qui a créé nous. Donc, Genèse 1, verset 28, dans le livre Genèse 1, verset 28 et 29, il dit, Dieu les bénit et leur dit, les bénit, la parole est là de l'homme et la femme qu'il est écrit, il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et surtout l'animal qui se meut sur la terre. Donc, bon Dieu venait, et puis bon Dieu créait, il créait les animaux, il créait terre, il créait ciel, il créait la mer, il créait tout ça dans la mer, tout ça sous terre, il créait, puis bois, fruits, et puis il dit, même ben, nous, tout ça, multipliez ça que ben, remplissez la terre. Donc, déjà, nous sommes là encore. Le bon Dieu créé, il créé, il pas créé seulement pour venir, puis qu'on a pour rester chita là, et puis ou pas faire rien, mais bon Dieu venir, il baille l'homme au pouvoir créateur. Donc, ça veut dire, même j'en ai même été gagné, il capable de créer, il baille l'homme au pouvoir créateur côté travail que il commençait, création. Il bat l'homme possibilité pour continuer lorsque lui-même l'a renouvelé travail ça avec des pieds bois continuer faire pieds bois grandir mettez plus pieds bois sous terre vous venez puis vous nous fait un homme une femme donc il a la capacité pour procréer pour que vous multipliez quantité monde qui gagne sous terre et verset 29 il dit et Dieu dit je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc, bon Dieu fait l'homme, il fait la femme, non seulement il dit, oh, mais ça que m'ba nous pour nous faire, mais en même temps tout, il dit, mais qui ça m'ba nous pour nous manger. Donc, ça veut dire que, l'homme a regardé ça veut dire. C'est coco, c'est un monde qui est venu, qui bâtit une machine, et puis qu'on y a là qui dit, mais comment, mais qui sa machine a fait, mais qui ça nous capable faire avec machine, et mais qui gens pour nous utiliser machine. Nous avons mis l'huile, telle caractéristique de l'huile, mais nous pas venir et puis mettre l'autre huile. Donc, bon Dieu, même Jean, bon Dieu venu, dit, ben nous, mais qui ça nous gagne pour nous faire comme tâche, mais non. Mais qui ça nous-mêmes nous gagne pour nous manger? Mais ça qui est bon, mais ça qui n'est pas bon pour nous. Mais lorsque nous regardons, nous voyons que qui ça qui passe, c'est que en pile fois, nous avons tendance à nous manger n'importe qui bagaille et c'est interdit que bon Dieu vienne nous mettre, nous dit nous pas manger, malgré ça, nous continuons à nous manger. Donc, déjà là, nous déjà voyons que bon Dieu bail des instructions, mais nous voyons que nous avons tendance nous-mêmes au fil des temps. Et jusqu'à présent, nous sommes capables, ouais, juste côté ça arrivé, côté l'homme venu et l'homme pas attendait. Et instruction, ça va que bon Dieu bail, et l'homme désobéit à instruction. Donc, l'Éternel, là, vous regardez dans Genèse 2, versets 16 et 17. C'est ça, il dit, ou capable de manger toute bagarre qui est dans le jardin. Et les balles ont l'autre lode. Vous êtes dit, ou capable de manger tout ça qui est dans le jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Là encore, mon Dieu venu, il n'y a pas d'instruction. Mais vous avez tout pied bois dans le jardin, vous pouvez manger tout ça dans le jardin, mais vous avez un grain de pied bois.
j'ai la dent. Parce que le jour où moi j'ai la dent, moi mourir. Donc là, qui ça nous ouait, c'est que dans Genèse, lorsque l'on appelle Genèse, nous voyons que bon Dieu vient et puis il place l'homme et la femme dans un jardin qui relie le jardin d'Éden, qui est rempli avec en pile pied-bois, en pile fruits, et puis il vient, il bat l'ordre, il dit, nous sommes capables de manger toutes, sauf l'arbre ça, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où manger, wapé, mourir. Déjà, là, nous voyons que bon Dieu plaçait Adam et Ève devant qui ça? Devant. Nous, car il est en sorte d'épreuve. Côté bon Dieu a testé Adam et Ève. Côté bon Dieu venait libérer en l'ordre et puis il dit, mais ça nous supposait faire, mais ça nous pas supposé faire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui passait? C'est que bon Dieu a testé Adam avec Ève pour ouais. Est-ce que Adam avec Ève a obéi? Il dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qui ça? Ça veut dire moi-même lorsque moi non devant une situation côté, faut moi choisir soit entendre des paroles bon Dieu ou bien faire ça que moi-même moi voulais faire. Donc c'est l'équivalent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, comme je vous l'ai dit par là, ça veut dire que bon Dieu, lorsque bon Dieu t'a placé Adam et Ève, il t'a dit pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il t'est venu, il t'est bâillé au choix pour soit obéir ou bien soit désobéir. Donc, si il obéit, à ce moment-là, c'est qui ça? C'est bon Dieu, lorsque il mettait au devant choix ça, il bâillait aux possibilités pour rappelez que je suis votre créateur, que c'est moi qui crée nous et que moi crée nous à image moi. Et que tout ça que nous y est, c'est à travers moi, c'est grâce à moi que nous sommes capables de ça. C'est nous capables de vivre, c'est nous capables de déplacer, c'est grâce à moi. Donc, bon Dieu, encore à travers l'autre, ça, rappelez à Adam et Ève que je suis le créateur de tout ça que nous y est là et c'est moi-même qui crée ou c'est moi-même qui pars manger, c'est moi qui prends soin, c'est moi qui revêtis, c'est moi qui tout pour vous côtoyer là. Donc, ça que nous voyons qui arrive à travers l'histoire, c'est que Adam et Ève désobéissent. Adam et Ève désobéissent l'ordre ça que bon Dieu bail. Côté, il dit, on peut boire, mettons jardin, pas manger, parce que si nous mangeons, nous mourir. Et ça fait nous comprendre qu'on y a là, que on être que bon Dieu t'a créé à son image, autrement dit, ça veut dire même Jean, le Dieu est éternel, bon Dieu t'a créé nous avec l'éternité en nous-mêmes. Donc nous venons perdus de cette image de Dieu et nous venons tomber en bas malédiction. Parce que nous devons désobéir, il dit, et tu mourras si vous prenez. Et c'est ça qui fait nous que qu'on y a là, il y a un pile dans nous, viré tourner. Alors, pas même un pile dans nous. L'homme est sujet à la mort. Pas de monde qui vient à la vie, qui pas mourir parce que nous désobéissons. Et ça fait nous comprendre que à chaque fois que nous désobéissons, bon Dieu, il y a des conséquences qui viennent arriver et que nous-mêmes, nous subissons des conséquences. Et en pile fois, conséquences, ce n'est pas des conséquences personnel, mais c'est des conséquences qui allaient au-delà des générations et des générations. Avait dit moi-même, moi payer, petit, moi payer, petit, 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 barrière, petit, moi, béni et payer. Donc, à cause de transgression, ça, à cause de bon Dieu qui bat commandement, et à chaque fois, il désobéit commandement, à cause de et parole bon Dieu que à chaque fois que yo néglige parole bon Dieu et l'homme décide fait ça que lui-même lui voulait faire à cause de cela relation qui était gagnée entre l'homme et Dieu relation ça vient rompre et qui ça que nous ouais c'est que lorsque bon Dieu ouais ça bon Dieu crée des plans pour le rétablissement de cette relation. Et c'est ça que nous voyons, nous regardons, nous continuons, lire l'Genèse 3, nous voyons côté, bon Dieu vini, et puis
bon Dieu, relais l'homme et la femme pour demander au qui ça qui passait. Et puis, non seulement c'est dans le chapitre ça, nous voyons que il y a un châtiment qui tombait, mais en même temps, tout, nous voyons que bon Dieu a déjà établi un plan, et nous voyons en Genèse 3, et 3, verset 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il avait dit qui ça? Il avait dit inimitié entre le serpent et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et déjà là, mon Dieu a commencé à prophétiser de la venue de Jésus, parce qu'il a parlé de la postérité de la femme, il a parlé de Jésus qui est plus pour venir, et cette postérité-là, la vie l'a crasée tête Satan. Donc, ça veut dire que déjà là, nous, ouais, qui ça qui t'est commencé à passer au début et que ça permet de nous comprendre en série de barres qui arrivent. Donc, à partir de cela, bon Dieu, il y a des alliances que bon Dieu vient établir entre lui-même avec l'homme de façon à ce que, à partir de l'alliance, il est capable de reconnecter lui-même avec les hommes, il est capable relation ça d'écraser, il est capable reprendre notre relation, ressouder l'homme avec lui-même de façon à ce que l'homme pas perdu, de façon à ce que l'homme pas mourir. Donc, bon Dieu fait des plans de salut pour les hommes et plans de salut, ça a été passé à travers son fils qui était venu, qui mourit pour nous sur la croix. Et c'est ça qui fait que à chaque fois, il y a des alliances que bon Dieu fait. Alliance, ça a pas qu'un parce que Israël vini, Israël péché, Israël et pas respecter alliance. Et bon Dieu dit qu'on n'allait pas le faire en alliance à travers son fils qui vini, qui mourit sous quoi, qui était vivre. On vit droite, on vit juste, on vit même gens que nous a supposé vivre dès le départ. Et puis qu'on a à travers la vie de son fils, nous capables nous-mêmes bénéficier de alliance ça. Et c'est ça qui fait parler de alliance éternelle. Et c'est ça que nous, c'est ça déjà expliqué nous. Qu'est-ce ça que nous pas apprendre pendant trimestre ça? Il déjà expliqué nous qui à qui ça pour nous attendre nous de façon à ce que nous capables réceptifs pour que nous capables comprendre pour qui ça que bon Dieu fait alliance avec nous pour nous capables comprendre qui ça alliance là y est. Et dans qui but que l'alliance a été faite et pour qui ça et qui côté bon Dieu voulait aller avec nous, avec l'alliance. Donc, nous souhaitons que et ça permette de nous comprendre une série de bagages à travers l'alliance éternelle, ça que bon Dieu voulait faire avec nous. Ça permet de nous comprendre, peut-être si nous avons des bagages que nous ne pouvons pas comprendre, que révision, ça permet de nous comprendre et permettre que nous sommes capables d'éclaircir certains points. Nous souhaitons que bon Dieu capable bénir nous, nous souhaitons que bon Dieu capable aider nous à comprendre encore plus à travers le son ça que nous parlons gain pendant le trimestre là, pour nous comprendre alliance, cette alliance éternelle qui s'acquiert et pour nous capable bénéficier de cette alliance que bon Dieu fait à travers le sang de son fils Jésus. Que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu garde nous et protège nous. Merci encore et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Amen, amen. Nous tenons à remercier notre ancien docteur Monpoint pour avoir mis en revue la leçon que nous avons étudiée cette semaine. Que s'est-il passé? Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous ce matin pour cette étude. Que Dieu vous bénisse tous. Nous réitérons l'invitation à l'endroit de nous toutes pour que nous sommes capables de joindre nous sous ligne l'église là pour la révision de la leçon en commun chaque vendredi de 7h30 à 8h30. Une grande invitation nous lancer à nous pour notre grande journée des visiteurs qui aura lieu le 17 avril prochain. Utilisez les moyens que nous avons à disposition, nos frères et sœurs, pour nous faire invitation à nos amis, nos connaissances, nos parents. Nous sommes capables de faire par téléphone, texte, email, Messenger, WhatsApp, Facebook et autres. C'est pour nous capables de faire avancer le message que bon Dieu ben nous, mandat que bon Dieu ben nous pour que nous capables prêcher l'évangile à toute la terre.
Merci à vous tous. Maintenant, nous vous laissons en compagnie de la secrétaire d'église, sœur Oro Picor, dans les annonces. Merci et bon sabbat. La musique offre à chacun la possibilité d'être saisi par une expérience qui surmonte les contradictions et les ambiguïtés de la vie. Sacrée, elle nous met en profond accord avec Dieu et nous libère de soucis de nous-mêmes. Bienvenue au coin des annonces du samedi 3 avril 2021. Merci, sœur Odeline, très gentille. L'étude de la leçon de l'école du sabbat est importante pour le développement spirituel du chrétien adventiste, surtout dans un temps si fâcheux où Dieu nous parla à travers sa parole. Donc, la directrice de notre école du sabbat, la sœur Odeline Aristide, rappelle à tous ceux-là qui n'ont pas encore reçu de questionnaire pour ce trimestre d'en faire diligence cet après-midi de 2h à 4h p.m. Notez bien que l'équipe est disponible durant ces heures notées, pas avant, pas après, entre 2 et 4 heures. Merci. Aussi bien, elle invite tous les amis de Maranatha, adventistes ou non, à leur grande journée virtuelle des visiteurs le samedi 17 avril 2021 prochain, à partir de 10h AM sur cette plateforme, tant sur Facebook et la ligne téléphonique de l'Église, le 646-749-3122, code d'accès 750-820-229, pound. À vous autres membres d'Église, invitez vos parents, vos voisins à y participer pour la gloire de Dieu. À ne pas oublier la révision approfondie des leçons de l'école dispensées tous les vendredis soirs de 8h à 9h p.m., toujours sur la ligne téléphonique de l'Église. Donc, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte et en les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. L'ancienat se réunit cet après-midi à 2h précises. Prenez note, s'il vous plaît. Et soyez à l'heure. L'Église Maranatha aura une grande distribution de vaccins sous la tutelle de la Northeastern Conference cet après-midi de 2h à 4h à l'église de Saint-David située à 117-35 235e rue, Cambria Heights, New York. Seulement ceux qui sont enregistrés seront admis. Que je vous dise, sœurs et frères, sœur Ginelle et moi ont appelé plusieurs de nos co-religionnaires et beaucoup ont répondu et vont être vaccinés cet après-midi. Toute la gloire est à Dieu. Après-midi à 2h, pral gagner une grande distribution de vaccins dans l'église Saint-David qui est située dans 117-35 235e rue, Cambria Heights, New York. Seulement monde qui est enregistré capable de participer. S'il vous plaît, venez 15 à 20 minutes avant 2 heures là, parce que vous avez gagné pour remplir une simple forme, puis vous êtes capable de remettre un cadre de vaccin après ça. N'a pas dit tout que vous gagnez ou pas gagné un vaccin capable demain, si Dieu veut, dimanche, non, encore dans notre Eastern Conference. Pas gagné un vaccin capable demain, dimanche, dans notre Eastern Conference, mais plutôt, cet après-midi, à partir de 2h, seulement pour les gens qui enregistrent. Adresse là encore, c'est dans l'église Saint-David, 117-35, 235e rue, Cambria Heights, New York. Qui t'aime dire, Maranatha pral gagner une autre série de vaccins dans les prochains jours. N'a toujours mettez au courant. Ou même qui rate série ça, ou capable toujours faire plan pour prochaine série. Nous encourageons à rester positif. Aussi, nous féliciter pasteur l'église là, qui c'est docteur mon estime pour mouvement important ça pour l'église Maranatha sous umbrelle Northeastern Conference. Toute la gloire là, c'est pour bon Dieu. Merci. Distribution de nourriture demain dimanche 4 avril
2021 à partir de 10h AM jusqu'à 1h PM. Grâce à nos dévoués volontaires de Maranatha, les produits sont frais et bien emboîtés. Faites bonne œuvre, chers frères. Venez en prendre et partagez avec vos amis et vos voisins. Membre de Dorcas et ancien attaché, votre rencontre avec le pasteur se tient encore demain dimanche à partir de 6h sur la ligne téléphonique habituelle. N'oubliez pas le jeûne du mardi matin, 11h midi, et la prière hebdomadaire du mercredi soir, 7h30 p.m. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et on vous trouverez. Nous avons une urgence maintenant même, chers frères. Frappez et l'on vous ouvrira. Participez donc dans les services de prière et Dieu prendra soin de vous. Supportez la jeunesse dans leur vespernail tous les vendredis soirs à partir de 8h et leur culte d'adoration chaque deuxième samedi du mois sur la Zoom de l'église Maranatha. Restez toujours branchés sur notre forum Santé Expo chaque mercredi soir, 7h, 7h30 sur la ligne téléphonique de l'église. Éduquons-nous pour notre bien-être physique. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Ainsi donc, chers et frères, la grande campagne d'évangélisation débutera du 1er au 15 mai 2021 prochain. Mais avant, ce sera la semaine de prière avec Pasteur Monestime du 25 au 30 avril 2021. Faites déjà des plans pour être les nôtres. Le caucus franco-haïtien des Adventistes du septième jour de la division nord-américaine présente la révélation biblique sur la marque de la bête le vendredi 9 avril 2021 de 7h à 8h30 et le samedi 10 avril 2021 de 4h à 7h PM avec Dr. Ellie Henry, président de la division interaméricaine, et Dr. Vaillant Youth, directeur du ministère personnel de la Fédération des Églises Adventistes du Septième Jour de Québec. Ce programme sera diffusé sur YouTube, Franco-Haitian Ministry, sur Facebook et sur la Zoom 927-8648-6294, passcode 56-26-51. Ce programme sera diffusé sur YouTube, Franco-Haitian Ministries, sur Facebook et sur la Zoom 927-8648-6294, passcode 56-26-51. Merci, Dr. Maupoin, directeur des communications de Maranatha. Le département musical de Maranatha présente ce samedi, aujourd'hui même, un culte chanté de musique vocale et instrumentale avec la participation de la soprano Farah Chérigent. Maranatha témoigne sa reconnaissance et son estime pour l'activité didactique, artistique et liturgique de Farah, la cheville ouvrière de ce programme du culte chanté à la gloire de Dieu. Nous accueillons Dr. William Jean sur notre plateforme ce midi. Bienvenue, docteur. Ainsi donc, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Restez branchés avec le ministère personnel représenté par l'ancien Dieudonné Zéphir dans les minutes missionnaires. Merci et bonne adoration. He is risen. Yes, indeed. He is risen. Il est ressuscité. Oui, Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, est ressuscité. Est le mobile de notre foi, la force motrice qui véhicule, qui galvanise toutes nos énergies, toutes nos espérances et tous nos motifs. C'est cette force qui nous pousse à aller dans cette veine. Le département du ministère personnel présente le quart d'heure laïque ou le quart d'heure missionnaire. Et pour ce faire, débutons avec Farah dans notre chant spécial, notre thème spécial, Farah,
notre thème spécial, seulement un couplet. Sarah, où es-tu? Si Sarah n'est pas au bout du... Oui, elle est là. C'est par la foi que voyons l'invisible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Grâce au fait grâce de ta gloire infinie, par la puissance transforme notre ardeur. Brûlons nos âmes, flammes sacrées, et nous suivons les témoins d'autrefois. En fusionnée de leur grande lumière, les regards sur Jésus, chef de la foi. Chères sœurs et frères, laïcs en action, en avant, attention! L'un des chants de notre livret Hymne et Louange dit, et je cite, messager du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu Sauveur, montrons la croix du Rédempteur. Amis, partout, chers et frères, voilà ce à quoi nous sommes tous appelés. Oui, en temps et hors de temps, qu'il tonne, qu'il pleuve, qu'il grêle, le peuple de Dieu est appelé à proclamer le message du salut en Jésus-Christ. Racheté par la foi et par la grâce, ambassadeur de Jésus-Christ, nous avons tous reçu la même commission. Nous avons tous le même mandat, le même logo. Nous avons reçu la même exhortation, le même mot d'ordre, selon ce qu'il est dit dans Matthieu 28, 19, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, des baptisants au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, et avec une promesse et une assurance forte et certaine. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans le ministère, il y a toujours des obstacles, des difficultés, même des excuses. Qu'on vous reçoive ou pas, qu'on vous entende ou pas, qu'on vous écoute ou pas, qu'on vous méprise ou pas, la devise est claire, nette, elle est précise. Allez, allez par tout le monde, à travers, allez, point barre. D'ailleurs, on ne prêche pas pour convertir, mais pour servir de témoignage, car au dernier jour, avant que ne s'enfuit le temps, avant que la porte ne se ferme, une voix vous dira, I told you so. And you heard it many times. What you do or did with it, it's up to you, Maranatha, it's up to you, le monde. Ainsi donc, du 1er au 15 mai prochain, l'église Maranatha
de concert avec le département du ministère personnel, se propose de vous offrir 2 semaines d'évangélisation avec des messages clés qui toucheront toutes les facettes de nos vies physiques, matérielles, spirituelles, sociales, mentales et morales, et j'en passe. Cela sera bien difficile sans vous. Nous avons besoin de vos concours, de votre participation choquante. La moisson est grande, il y a peu de vous. Il y a une seule chose que vous avez à faire, que nous avons à faire. Frapper à la porte de nos voisins, de nos coworkers, de nos parents, de nos amis. Emboucher la trompette et dire sur tous les toits, Maranatha, l'or est rampant à Maranatha. Et qu'ils ont 15 jours pour diguer cet or, ce précieux élément, la parole de Dieu. Et c'est Ellen G. Wilde qui, dans le témoignage pour l'Église, dit que l'œuvre que l'Église aura négligée de faire dans un temps de paix et de prospérité, elle devra l'accomplir au milieu d'une crise terrible, au milieu de COVID-19, au milieu de coronavirus, dans des conditions les plus décourageantes et les plus rébutantes. This is it. Au milieu de la crise qui maintenant sévit, mais dont la fin semble s'éloigner de l'horizon, efforçons-nous davantage d'atteindre autant de gens possibles, autant de monde possible, autant d'âmes possibles, et que nous n'ayons pas à rougir quand notre Seigneur apparaîtra du haut des cieux. Somme toute, nous récapitulons une date à retenir du 15 au 20 mai prochain de l'année 2021. 2. Un lieu de rencontre sûr, les ondes et les sites virtuels de Maranatha. 3. Un message garanti. Christ revient. 4. Un but unique, une occasion unique, une saison unique, annoncé partout le dernier message. Chers amis, amis des ondes, chers sœurs et frères, candidats aux promesses éternelles, à bon entendeur, salut et nous disons Amen, Amen, Amen. Avec vous, Sarah. Tout ça, mon Dieu, fait pour nous. Nous pas capables de raconter toutes mes veilles qu'il fait dans la ville. Dans une vidéo qui dirait pas plus que 2 minutes, partagez avec un témoignage ça, mon Dieu, fait pour vous, pour petit tout, pour famille. Voyez une vidéo témoignage sur WhatsApp dans le numéro 929-224-4204. 929-224-4204. Et raconter comment bon Dieu grand dans la vie. Praise the Lord. Hallelujah.
worship, appel, adoration. Psalm 100. Amen. Amen. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, that he is God. It is he that has made us and not we ourselves. We are the people and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. His mercy is everlasting and his truth endureth to all generations. Amen. Gloire à Dieu, nom du Créateur. Gloire à Jésus, le Rédempteur. Gloire à l'Esprit Consolateur, louange et gloire au Dieu Sauveur, louange et gloire au Dieu Sauveur. Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as réalisé dans notre vie, tu mérites d'être adoré. En ce beau matin de sabbat, un sabbat de louange, nous sommes à tes pieds pour te louer, t'adorer, te donner gloire que toi seul mérites. Que ta puissance se manifeste en ce matin. Que ta puissance se manifeste pour le salut de chacun de nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, honorables visiteurs, bonjour et bon sabbat à tous. Le pasteur de l'Église, le Collège des anciens, les membres du comité d'Église et le département musical, tous se joignent à moi pour vous accueillir chaleureusement au réseau social de Maranatha, où un programme fabuleux vous est préparé. Je vous souhaite de passer un agréable moment en adoration, car d'ici découlent les sources des bénédictions célestes. La journée d'aujourd'hui a un cachet spécial. Elle met l'accent sur la musique. Par conséquent, nous allons louer, exalter et magnifier le Seigneur à travers des chants et des instruments, car c'est à Dieu seul soit la louange, l'honneur et gloire. Quant à vous, honorables visiteurs, nous vous prions d'accepter nos souhaits de bonheur, d'être en compagnie des saints du Très-Haut, et brûlons de l'ardent désir de vous voir en faire partie intégrante pour l'accomplissement de sa volonté en vous. Car il est le numérateur de notre foi et produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Enfin, chers frères et sœurs, amis, chers internautes, qui vous honorez de votre présence, soyez les détenteurs de la grâce de Dieu. Que la paix de Dieu nous soit multipliée en ce jour et bonne audition. Avec allégresse, entonnons les strophes du cantique 106 des hymnes et louanges avec la choriste Sœur Farajan. Thank you.
vers toi, monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure dès son âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos voeux sur la nuit étincelante. Tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour. Our scripture reading for today will be read from the Scriptures of New Words Translation, Psalm 34, verses 2. In Jehovah, my soul will make its voice. The meek ones will hear and will rejoice. Amen. Pour prier Dieu. Baissons la tête et prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, Créateur de toutes choses, Roi de l'univers, c'est à toi que nous élevons nos voix en cette nouvelle matinée de sabbat, pour chanter ta louange, pour te donner gloire, car personne d'autre n'est digne de recevoir la louange, si ce n'est que toi. Car Seigneur, tu as créé l'homme, et après avoir tombé dans le péché, tu as fait des plans merveilleux, le plan de la rédemption. Et Jésus, ton Fils, est descendu du ciel pour nous retrouver sur terre. Et il est mort à notre place. Il se donne à notre place. Il a reçu des injures à notre place. Il s'est sacrifié pour nous donner la vie, pour nous donner le salut. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons chanter ta gloire aujourd'hui. Nous voulons louer ton nom. Nous voulons exalter ton nom. Nous te présentons l'Église dans son ensemble, la belle Église de Maranatha. Nous te supplions, Seigneur, dans ta grande bonté et dans ta miséricorde, de voler au secours de chaque membre de cette Église. Ceux-là qui sont malades, affligés, nous te supplions de les toucher, car tu es le médecin par excellence. Si les autres médecins ici-bas, avant de donner une prescription à un malade, envoient le patient vers les laboratoires pour trouver une solution à ses problèmes, mais toi-même, ce n'est pas
Ce n'est pas comme ça que tu agis, car déjà tu connais le problème parce que c'est toi le Créateur. Et nous te supplions, ceux-là qui sont malades, de les toucher en ce jour de sabbat, parce que le sabbat, c'est un jour de délivrance. Le sabbat, c'est un jour de victoire. Le sabbat, c'est le jour où tu donnes la paix à tes enfants. Nous pensons maintenant à un groupe de frères, un pasteur qui ont été kidnappés alors que yo t'a offri un service au Dieu puissant, au Créateur de l'univers. Yo entré en dans temple. Yo vin prend pasteur là avec trois autres frères. Seigneur notre Dieu, notre Père, ou même qui ouais toute bagaille koto siéger dans ciel là, ou même pas gagnien qui échappé ou. Nous supplions au matin ça ou accorder victoire à l'église adventiste du septième jour. Nous savons que les jours sont mauvais. Nous connaissons que bagayyo a vin difficile de jour en jour. Nous connaissons bagayyo pas facile pour nous, les observateurs du sabbat, ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Et nous savons que, Seigneur, tu donneras l'appui de l'arrière saison à cette église, à chaque membre de cette église, afin de nous fortifier pour pouvoir faire face aux attaques de l'ennemi. Seigneur, envoie un ange maintenant. Ce n'est pas commandé, n'a pas commandé, nous pas gain droit ça. Nous sommes de vils pécheurs. Mais au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans la puissance de Jésus, dans la résurrection de Jésus, où tu es fait pour l'apôtre Pierre, ou qu'a fait encore aujourd'hui. Nous supplions de grâce. Passez là-bas à côté où ils ont mis ces serviteurs là. Passez côté où ils ont mis ces serviteurs yo qui t'a servi ou dans le temple. Al dit un mot pour yo. Et s'il le faut, mettez au dehors. S'il le faut, Seigneur, convertis kidnappeur yo. Et si yo refusé, obéis à ta volonté. Selon volonté ou. Matin, nous pouvons gagner un service spécial, un culte chanté à l'endroit de l'Éternel des armées. Nous te supplions, Seigneur, de nous oindre par ton Saint-Esprit, de bénir les voix qui pourront chanter pour glorifier ton nom. Et permets, Seigneur, sortir d'ici aujourd'hui, nous capables de sentir nous édifier à salut. Nous te présentons l'orateur du jour, le docteur William Jean, à qui tu as confié un sermon pour l'Église aujourd'hui. Nous te supplions de le oindre, de permettre à ce qu'il parle de toi, il parle par toi. Les conseils qu'il aura à nous prodiguer viennent directement de toi. Bénis ton église et bénis celui que tu as placé pour diriger cette église en ce temps-ci, le docteur Jean-Flavio Monestime. Daigne être avec lui et avec les membres de sa famille. Bénis le corps pastoral de l'église et bénis les membres du comité de cette église. Seigneur, transforme notre vie à salut. Nous vivons les dernières secondes de l'histoire de ce monde. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin, Seigneur, à ce que toi-même, tu passes dans nos rangs, afin que, Seigneur, nous puissions propager cet évangile éternel, l'évangile des trois anges. Bénis-nous comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Écoute, Seigneur, notre prière. Si nous te prions ainsi, ce n'est pas parce que nous en sommes dignes, nous en sommes privés, mais nous t'adressons cette prière à travers les mérites infinis de Jésus-Christ, ton Fils,
lui, le vivant et le régnant, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, mon Dieu fidèle, où l'épée m'en est, et où portez ma gloire, où prendre la vie, où s'échoue de l'eau, mon ange,
Chers amis, frères et sœurs, chers internautes, vous qui nous écoutez à travers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, nous vous saluons dans les noms du Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne ce matin de louer son nom. Bon Dieu fidèle, chers amis, si nous sommes capables là, en ce sabbat, pour nous continuer à louer le nom de l'Éternel, c'est parce que le fidèle, bon Dieu est fidèle. Nous voulons aussi remercier l'Église Manhattan French SDA Church pour cette occasion qu'il nous donne de participer à ce grand programme de louange ce matin. En l'occurrence, le docteur Flavio, Jean-Flavio Monestime. Nous voulons lire le texte de Psaume 34, le verset 2. Je vous invite à lire avec moi le Psaume 34 et le verset 2. Il est dit: je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. D'ailleurs, on répète le texte ça avec moi, même si vous ne parlez pas, mais qu'est-ce que ça? Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Moi, je finis par comprendre, Jean-David Paléa, il fait nous comprendre que louange, là, il porte une correction dans notre perspective, la façon de voir les choses. Nous, tout captant d'aime là, qui a participé, chacun de nous a des défis en certains de la fin. Alors que le monde touche à sa fin, nous vivons les dernières minutes de l'histoire de l'humanité. Chaque monde a un défi, des problèmes, des situations difficiles. Certains parmi nous n'ont traversé des situations compliquées. Gen nous, Captain Demla, qui nous situation, qui imaginé, pas dit, Seigneur, où quoi m'a sorti? Certains, ce sont des maladies physiques, maladies émotionnelles, stress, problèmes interpersonnels, des problèmes économiques. Chacun de nous, nous avons des problèmes, des difficultés, des défis. Mais Jésus déclare, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Laissez-nous adorer, laissez-nous louer. C'est parce qu'il n'y a pas de problème, non? Oui, moment vient avec des défis. Mais nous mettez, il permet que nous, ouais, problème n'en vient plus petit parce que nous fixons les yeux nous en haut. Là, nous fixons les yeux nous sur le problème. Le problème n'en vient grand devant nous. Mais là, nous louons, bon Dieu, par la louange. Nous, ouais, nous avons notre perspective de voir les choses. Bagayo, vin comme si c'est pas rien. Voilà pourquoi David dit: je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Moi remé Jean David dit là, moi remé façon de dire là. Quelle que soit l'occasion, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'époque, quel que soit le moment, je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. M'a béni l'Éternel, m'a loué l'Éternel. Bouche mon pape, je me suspends, dit alléluia, gloire à l'Éternel, parce qu'elle méritait louange. Bouche mon pape, suspends, dit alléluia. A remarqué le psalmiste. Le psalmiste pas dit sa louange sera toujours dans ma bouche lorsque les choses vont bien. Il pas dit sa louange sera toujours dans ma bouche lorsque y a bonne augmentation dans le travail là. Il pas dit sa louange sera toujours dans ma bouche lorsque moi joue une visa. Il pas dit sa louange sera toujours dans ma bouche lorsque me ca rouler voiture préférée me. Il pas dit sa louange sera toujours dans ma bouche lorsque me ca acheter veste costume que me désiré. Mais il dit sa louange sera toujours dans ma bouche. Le psalmiste nous enseigne que notre louange, il pas doit une louange conditionnelle. Nous devons louer le nom de Dieu à chaque époque, en tout temps. Et quels que soient les moments, les circonstances de notre vie, il y a plusieurs façons de louer. Maintenant, nous pouvons louer. C'est un sabbat de louange, un sabbat d'adoration. Et nous tous qui l'avons loué, nous participé dans louer ça. Il y a plusieurs façons de louer. Même sous son chaise, vous n'avez pas dit ou pas louer. Même sous son cabane, pas dit ou pas louer. Même sous vous souffrez, pas dit ou pas louer. N'a pas loué le nom de l'Éternel, il dit, sa louange sera toujours de ma bouche. Il y a plusieurs façons de louer. Le Psaume 47, verset 1 dit, vous tous, peuple, battez les mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Et dans le Psaume 150, il dit, louez l'Éternel avec des instruments et des danses. Dans le Psaume 9, verset 11, il dit, louez l'Éternel avec des chants, des cantiques. Psaume 98, verset 4,
louer l'Éternel avec des chants d'allégresse. Et dans le psaume 134, verset 2, il dit, élevez vos mains, bénissez l'Éternel. Dans le moment ça, frère Maxime, pas qu'on est qui j'en louer, mais si c'est l'évo qui a levé mains, levé mains pour louer. Si c'est chanteau qui a chanté, chanté pour louer. Si c'est volant qui a volé matin, volé pour louer. Si c'est criant qui a crié, crié pour louer. Ça veut dire, levé mains, crier, battez les mains, dansez devant l'Éternel pour louer, parce qu'il mérite là, de louer. En tout temps, louez l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. À chaque sabbat, nous pouvons compter Dieu. Nous pouvons l'adorer en esprit et en vérité. Selon Éphésiens 5, verset 19, nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, des louanges et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur la louange du Seigneur. » Chers frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, ainsi débute la première partie de notre culte chanté. Successivement, nous allons auditionner la chorale des adultes, la sœur Sainté, frère Evens Hippolyte de Beraka dans un poème, puis la chorale des jeunes de l'Église adventiste de Maranatha. Chers frères et sœurs, louons le Seigneur. Une femme, une femme.
of a father. Et de voir à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Un courage vivre, des mille être aimé, un jour à la fois. Il s'est passé. On fait louange pour bon Dieu. Dans tout racoin la terre, petits oiseaux et tous les animaux, mélangez voyous, puis on fait louange pour bon Dieu. Dans tout jardin et forêt, feuilles et fleurs, pas jamais suspendre fait, louange et compliment pour bon Dieu. Quant à sous l'eau et rivière, dans la nuit qu'on la journée, il y a bail bon Dieu gloire. Mais pour qui ça nous pas faire louange pour lui? Alors que depuis l'année de 4-4, vieux coupe mauvais air mal fecté, t'es sorti pour le faire vivre en bas terre. Mais bon Dieu, t'es toujours là comme un grand protecteur. Ou année passée, année venue, et ne pas jamais suspendre, fin persécuté. Si complot, gros complot, bon Dieu, toujours là comme un grand défenseur. Mais pour qui ça, nous ne pouvons pas faire louange pour lui? Attendez, non. On fait un petit causé, Kounia. Ou songez, t'es malade, docteur, t'es condamné, ou, et Jésus, t'es bon, guérison. Ou changer ou te paralysé, ou pas même capable de marcher, mais Jésus te met au campé sous des pieds. Ou. Oui, docteur, ou te gon cancer qui te sorti pour te poter ou aller. Docteur te dit faut opérer, mais Jésus te opéré ou sans couteau. Oui, petit, ou te malade, ou te dépenser toutes sortes de possédés, car docteur a gangan, ou pas jamais qu'ajoune aucune solution. Mais lorsque te vin joindre Jésus de Nazareth, li te baille petit ou en la vie. Alors, bon Dieu, bon, ça papa, nous pas ou elle mérite gloire. Ou même les dettes qui n'ont pas qu'à payer. On continue à battre gloire.
même là pour qu'on solution pour qu'on vienne. On continue à bal gloire, même là pour qu'on ait qui chimé pour courir. On continue à bal gloire, même là on dit au pape Jean Moyen, on continue à bal gloire, parce que c'est lui qui roi des rois. Ou même Jacques, prophète là, on nous levait camper pour nous faire louange à compliment pour bon Dieu. On nous levait camper pour nous faire louange pour lui, pour amour la grandelle, ou pour Saint Jésus qui t'est coulé, on nous parce que levé bien vivant dans la mort, on nous parce que c'est avocat qui a plaidé cause nous, on nous parce que lui fait nous grâce que nous pas mériter, on nous ou pour mirailleux le briser, on nous pour complot le craser, on nous pour défier le lever, on nous pour toute victoire libanon, on nous oui, on nous loue bon Dieu, on fait louange pour bon Dieu, on fait louange pour bon Dieu. Avec son trompette, lutte, tambourin, chalumeau, sax, batterie et latrier. Oui, si n'a pas respiré, on nous loue, bon Dieu. On fait louange pour bon Dieu. Amen. Yeah.
let everything that has breath praise the Lord. We are now at our second portion of our program. Today we are going to have Emily Blanford, who's going to be performing for us, ministering to us. We're going to have Willa Rock Jean, who's going to be Willa Rock, who's going to be performing for us. We're going to have Laurie Jean. We're going to have the Saint Fleurs and Aggie, as well as Choir des Enfants, our children's choir. And I know that you've been blessed so far. Continue to be blessed and continue to sing along with us. May God bless you.
You are Yahweh. You are Yahweh.
Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, laissez-moi vous dire que dans la louange, Dieu protège. Dans la louange, Dieu guérit. Dans la louange, Dieu bénit. Et dans la louange, Dieu délivre. Dieu prend plaisir dans la louange. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. C'est le but de notre culte chanté pour ce matin. Hallelujah. Louange à Dieu. Hallelujah. Louange à Dieu. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, ainsi débute la troisième ou encore la dernière partie de notre culte chanté pour ce matin. Successivement, nous allons auditionner la sœur Sandra Saint-Fleur, l'infatigable, le frère Edison Siné, votre humble servante, dans la troisième partie de notre culte chanté. Sœur Sandra Saint-Fleur, frère Edison Siné et votre humble servante, Farah Chéri Jean. Bonne écoute. Parmi nous, nous t'adorons, tu es là, agissant en ce lieu, nous t'adorons, tu es là. Et tu guéris les malades. Nous t'adorons, tu es là. Et tu transformes nos vies. Nous t'adorons, tu fais un chemin, tu opères des miracles, accomplis tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, tu opères des miracles, accomplis tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Nous t'adorons, tu es là, transformant nos vies. Nous t'adorons, tu fais un chemin. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, tu opères des miracles, accomplis tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Voilà ce que tu es, et c'est ce que tu es. Dans les ténèbres, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es.
small, the glory in them all is God, then God's alone. God and God alone reveals the truth of all we call unknown. And though the best and worst of man walk, change the master's land, is God and God's alone. Todo a él.
adios sia la gloria, adios sia la gloria. Para Dios y aguardaré solo a Él. Si alguna fama viene hacia mí, será toda para Él, Salvador. Y ha salvado su poder y ha levantado. Adieu, sois la gloire. Adieu, sois la gloire. Oh Dieu, sois la gloire. Oh Dieu, on te skille. Cette gloire, c'est pour mon Dieu. Cette gloire, c'est pour mon Dieu. Cette gloire, c'est pour mon Dieu. Oh Dieu, ça fait pour moi. Adios, sia la gloria. Adios, sia la gloria. Adios, sia la gloria. Happy Sabbath, Church. I don't know about you, but I have been truly blessed by today's service. I would first and foremost like to thank God for blessing us with these gifts that we can continue to use to give Him the praise, the glory, and the honor that He deserves. Psalm 150 says, "Praise the Lord, praise God in the sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His mighty deeds, praise Him according to His excellence. Greatness. Praise Him with the trumpet sound. Praise Him with the lute and harp. Praise Him with tambourine and dance. Praise Him with strings and pipe. Praise Him with sounding cymbals. Praise Him with loud clashing cymbals. Let everything that have breath praise the Lord. Praise the Lord. Amen." I would also like to thank Frère Principal for his dedication to the ministry and his leadership in the department. I pray that everyone tuning in has a blessed week. Happy Sabbath. Oh,
Et maintenant, que le Saint-Esprit du grand Dieu nous imprègne l'être tout entier et qu'il contribue à faire de la louange le plus beau moment de notre vie au nom de Jésus Nazareth. Amen. Amen.